C'est un peuple qui fait grand histoire, tout comme nous l'avons dit nous que sommes haïtiens, nous qui nous sommes peuple qui fait histoire. Eh bien, euh, le peuple israël, c'est un peuple comme on dit, et le peuple choisi de Dieu. Et c'est là une vérité et son vérité qui par à peu n'est-ce pas contourné. Mais cependant, et puisque nous sommes à l'heure prophétique, il y a pas mal pour ne pas dire. Tout le monde est qu parler et qu'à parlé d'Israël et n'est-ce pas soit de sa position géographique et qu'à parlé Israël soit sur portée et financière ou économique et ou sur portée et je dirais prophétique voilà eh bien et cet après-midi c'est dans cela notre première lancée dans ce qui concernait Israël selon la prophétie nous allons n'est-ce pas toucher un peu l'origine d'Israël Israël, Israël dans chapitre 12 que nous sautons lire du livre n'est-ce hein, pas et, et de la Genèse hein? et non 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 nous rapide il y a un appel qui fait un appel qui fait à qui à, à Abraham que l'Éternel fait sortir du côté de Caldé, au peuple et qui pas de mon Dieu ben, Dieu a fait un choix et ce choix là et c'est un son choix qui et que, que personne paka, et paka ignore lui, et personne pas pas ignorer et personne pas à détourner de lui Important, et le le nom-là, Israël, que nous nous pas laissé comprendre et qui, qui sortit dans Jacob après sa lutte, n'est-ce pas, avec Dieu, ou avec les anges les messagers de Dieu, et dans Israël-là, dans lui-même, les il les signifie celui qui lutte avec Dieu, ou du moins Dieu est fort, Dieu triomphe. C'est le nom qui donnait et ça, nous Teka les troisième patriarche là et, 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 et bruyant, en parlant de Jacob et Jacob et, il faut expérience côté l'Iran, raconter mon dieu et finalement et, après sa persistance nous parlons le nom de Jacob l'échanger changer en Israël le Teka dit bon qui est ce qui Jacob là et eh bien Jacob dit c'était petit Isaac qui était fait ensemble avec Rebecca dit papa généralement nous on dit des douze tribus et n'est-ce pas d'Israël et, 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 et ses papas des, des, des douze fils que les qui formaient ce qu'on appelle les douze tribus d'Israël. Avant, on rentrer bien y en a des talents. Lorsque on allait dès le début et du livre de la Genèse, nous, nous nous comprenons rapide. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et mon Dieu, il fait alliance pour qui ça Parce que et une alliance, ce n'est pas une que qu'on peut révoquer comme ça. Est-ce que vous comprenez Eh bien, même dans la création mondiale, lorsque Dieu a formé, a créé le jour et la nuit, il dit qu'il fait une alliance avec le jour et la nuit. Et il dit d'ailleurs, le peuple israélien, son peuple, pour l'oublier, que alliance qu'il a faite avec le jour et la nuit, t'as suspendu puisqu'il puisqu existe toujours jour et nuit, eh bien, cette alliance-là, n'est-ce pas, les est tenue encore. Eh bien, lorsque vous allez dans le livre de Genèse au chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, je dirais, eh bien, nous joignons une alliance qui fait en Éden, une alliance qui fait en Éden avec l'homme, notre premier, n'est-ce pas, et parent Adam, et tantôt nous parlons bien Eve, n'est-ce pas, et comme, comme couple, n'est-ce pas, dans le jardin. Eh bien, la première alliance, les est lancée dans le jardin d'Éden. Mais moi, maintenant, comme vous connaissez bien déjà l'histoire, et l'homme n'a pas fait faillite. Et l'homme n'a pas mis de côté et les, les, les paroles de Dieu, les recommandations de divines. Et bien c'est comme ça, l'homme n'a pas chuté. Et c'est là nous parler d'Adam de, 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 de déchu et Adam chuté, et parce que Satan le diable, n'est-ce pas, rentré dans la peinture, il était venu pour gâter plein. Mais malheureusement, son plan qui était déjà dressé, et ceci depuis avant la fondation du monde. Et c'est ici, partant. Et de la première alliance en Éden, nous venons, n'est-ce pas, après la chute de l'homme, il y a une deuxième alliance dans, avec Adam déchu à partir du verset 15 du chapitre 3, Genèse chapitre 3, le verset 15. Côté et Adam déchu, ça, l'Éternel encore pralfe, il y a Lot accord ensemble avec lui. Non, non, non. Nos bon pas nous ne pas les juste pour non, pour nous ramasser un peu de temps. Et finalement, nous venons de jouer une troisième alliance, qui qui et ensemble avec Noé, lorsque déluge la fin de le, le ciel fait une alliance ensemble avec euh, Noé. C'est dans le livre de Genèse, au chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 16, au cas est tout le chapitre 1, Et pour qu'on comprenne la portée même du texte. Maintenant, arrivé. Et dans l'histoire d'Abraham, on parle de première alliance en, en Éden, il y parlé de deuxième alliance avec Adam déchu, il y parlé de troisième alliance ensemble avec Noé après le déluge, bien entendu, et il y a quatrième alliance qui est faite avec Abraham. Eh bien, comme nous sautons lire dans, dans, dans le chapitre 12 du livre de la Genèse, eh bien, nous dire que... À lire ça, le ciel fait appel à, à Abraham parce qu'il gagne gagnant plein, n'est-ce pas, et pour, pour l'humanité. Et, et d'ailleurs, ce sacrifice a été déjà fait depuis, n'est-ce pas, le tabernacle céleste avant la fondation du monde. Mais il a fallu la manifestation, n'est-ce pas, de ce grand sacrifice. Puisqu'il existe un temple, et hein, n'est-ce pas, et, et en Moyen-Orient, et côté les prêtres hein, et la famille, n'est-ce pas, des Lévites, n'est-ce hein, pas, et qu'on offrit sacrifice sacrifices, eh bien, il a fallu que le, le, le grand sacrifice et le sacrificateur en même temps et les fait surface en parlant de Jésus-Christ pouvait offrir et sacrifice ça pour couvrir péché, mêmeement, une fois pour toutes. Mais cependant, dit, il a fallu que Dieu à son côté, c'est ainsi. Li, 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 li fi apel a Abraham I nou di ke, se Abraham ki brajou de, 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 de katriyem Nespa, renkot sa, de katriyem Aliansa, loske nou alen nan Jounet chapitre 12, ke nou sot lir Nespa, dan, ou kompran bien E kote promes sa fe, kote Le chel di, kite peyi ou kalde Ebyen, eh ma e Deplase, me gon, gon plan pou, me gon kote Mab voye ou Eh bien, pour nous faire histoire à la côte, vous connaissez, il y a un scal qui fait du côté de Caran, qui sont problème, parce que ça, ça, il y a plus le temps qui est épuisé là, jusqu'à ce que et, et Papa t'ira mourit, Papa Abraham mourit, et côté finalement, Abraham prend l'eau, et puis pour le poursuivre, n'est-ce pas, et cheminer. Eh bien, pendant que et, et Abraham lui-même les siégeait, n'est-ce pas, eh bien, pour gagne une famine qui tombe. Famine tombe, pour mande, il faut gagne un déplacement qui fait, lorsqu'on allait à partir de la Genèse 12, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 20, nous le comprendre, il faut que monsieur yo, yo rentre en Égypte juste pour sauver, n'est-ce pas, la famille. Et c'est là, et, 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 nous ouais, de l'histoire côté l'histoire pharaonique, côté et Sarah en tant qu'une belle femme, c'est ça la Bible dit et lorsque la bible d'yon yoffi était belle, elle était belle et beauté de Sarah était tellement resplendissante côté les richesses que Abra, Abra, Abraham pral vivre de yo n'est-ce pas lorsque l'autre en Égypte eh bien il était totalement dépendant de la beauté de sa et de, de Sarah pour qui ça parce que même les soldats du n'est-ce pas du roi lorsque yo voit cette beauté là, il a rapporté ça Awa, côté wa voyez les s'arrayer parce que wa t'arrèmer te faut contempler cette e beauté là c'est c'est haïtien nous t'a dit haïtien t'as cette cette négresse là parce que cela c'était une beauté eh bien et, et, et brièvement et nous nous non font passer là et pour nous retourner Écoutez, côté nous ils ont intervention de Dieu pour que rien mal pas arriver à Saraï parce que le si malgré Saraï était stérile mais le ciel grand plan il a fallu que Isaac lui même lui prenne naissance Eh bien et non notre tracé histoire là et nous, je viens joindre le plan de Saraï vient d'entrer en évidence et, cela nous fait comprendre quelque chose A chak mouman ke nou ta avle survole le plan de Dji, ou djou mwen se plou prese ke moun Dji, dega oblije fete, inévitableman. Ebyen a sa ki konserne le plan de Sarayi, e kote de, 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 de Geshe Avatli Agar, ko konen trebyen, ebyen nan plan Sarayi ya ki se konen, et qui sont là, qui principaux dégâts de ceux qui ont fait des gars, gars jusqu'à présent dans le monde-là et qui a continué à faire des gars jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. et Sarahie n'est-ce pas qui signifie ma princesse et dans Isaac lui-même qui, qui signifie et mais Dieu sourit et qui signifie tranquillité qui signifie n'est-ce pas calme etc mais cependant avec le plan de de, 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 de Sarai, et n'est-ce pas à travers sa servante et aga eh bien Ismaël prend l'entrée et en n'n'n'n'n'apeture là aga par définition selon l'origine noire, il signifie fuite c'est pas pour rien non lorsque allait, n'est-ce pas et dans le livre de Romains il a parlé de la femme libre n'est-ce pas et de la servante et des aga ce qui prend courir il a le caché dans le désert lorsque ça a le dehors et son nom déjà a tout dit Okay, parce que Agar, par définition, signifie eh, fuite. Et dans côté nous nous, Ismaël, il signifie Dieu entend. Et lorsque nous allons dans Genèse chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, nous allons eh, comprendre lorsque Agar dans le désert, côté cri, n'est-ce pas, et, et, et Ismaël montait droit vers Dieu, et puis bon Dieu dit que le temps bien son nom signifie Dieu entend, tandis que le nom d'Agar signifie fuite. Et eh bien là nous joignent Abraham et Saraï, OK Et dans juste avant naissance d'Isaac, non Abraham pas le changer en Abraham et non Saraï pas le changer en Sarah. Je veux dire, bacala commencer prendre une autre dimension, mais pas oublier, pas oublier parce que ça 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 les de grande importance, pas oublier des gars là et Saraï Côté Agar rentrer dans la peinture là, Ismaël obligé vient rentrer dans la peinture là comme étant le premier fils. Ok? Tenez bien. Maintenant, non Abraham changé, non Sarah est changée. Nous jouons Sarah et Abraham et c'est là, n'est-ce pas? Et après cette histoire là, après ce changement de nom là, eh bien, nous prenons dans Genèse chapitre 21, nous prenons n'est-ce pas? Côté Isaac lui-même, le le pral fait surface. Après il y a de longues années, très longues années. Isaac prend naissance. Isaac prend le des progénitures. Eh bien, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 57 et, et je dirais jusqu'au verset 67, nous joignent Isaac pour aller gagner pour femme Rebecca. Pas lié, avant la mort d'Abraham, Abraham, Abraham de fait demande à Dieu en faveur de son fils Isaac, parce qu'il connaît qu'Isaac n'a pas gagné n'importe fille. Eh bien, le serviteur qui était responsable, le ancien serviteur d'Abraham, bien entendu, qui était responsable pour ce trajet, et bien, il fait trajet. et le siel tetan de kri, le siel exosé, et finalement, et, 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 bref, Isaac fè renkont anseman vek Rebecca. Renkont an Isaac anseman vek Rebecca, pral prodou des chouze ekstraordinèr. Isaac nan di ok, pral gen projenitur pal, tou kom, Ismaël pralgait progéniture, parle. Puisque Ismaël est le, le, le premier-né, eh et et bien, nous, premier Mais ça qui est nous, et qui est intéressant, je dirais. Ismaël, nous, 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 Ismaël fait Ismaël nous, garçons. Et ces Ismaël fils-là, yo te osi 12 chef nan zon ki yo te ye. Mwen sepadan, diferanson malwe, de Izmayel direktman, 12 pitit ga son soti, sepa sa son man te genyen, pasou te genyen fi itou, 12 okay? pitit ga son soti, etou le 12 monsiyo se te chef nan zon kon te yo te ye, mwen sepadan, se 12 se fise la, yo, 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 yo pa a formé le 12 tribu di Israel. Pasou ke, chaque bagala est origini et chaque bagala les gagnée, mais bon dieu derrière l'autre par exemple lorsque nous allons dans Genèse chapitre 25 verset 2 jusqu'au verset 26 nous nous joignons les projets de moins et les fils n'est-ce pas et d'Ismaël de la la postérité d'Ismaël nous joignons Bajot, nous joignons Kedar nous joignons Abil, nous joignons Mib Me, Sam nou jwen nan Mishma, nou jwen nan Duma, nou jwen nan Masa, nou jwen nan Ada, nou jwen nan Tema, nou jwen nan Jetur, nou jwen nan Afish, nou jwen nan Kedma. 12 fils. Et M. Saas ete osi 12 chef nan zon nan. Etan li ke, de Yizmael sorti direktman 12 fils, sa se tou klasi direktman di Yizmael. Men se potan, nan ka Yizmael li diferan. Panske nan Yizahak pral soti solman de fis. Anseman vek, nespa Rebecca, pral soti Ezayu e Jacob. Pou ki sa, panseke promes lan, se yon promes kontinuel liye ki komanse nan Abraham, ki pral tombe nan Jacob, e, 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 ki, ki, ki tombe, ki rentre nan Yizahak, e, ki pral tombe nan Jacob. De se fet, Au niveau de progéniture, au niveau de postérité, pas de pa, marché pressé. Et tandis que pour Ismaël, deux Ismaël, douze fils sont sortis. tandis que d'Isaac, il prend en pile temps. Côté Isaac, fait Esaïe et Jacob. Et c'est deux Jacob qui sortir les douze tribus d'Israël. Quand il y a Esaïe avec euh, Jacob, il prend naissance. Et comme on connaît très bien. Et, et Isaïe est le premier né. Et dans Jacob le second. Mais cependant, depuis notre vote, monsieur a bataille. Monsieur a tellement bataille dans vote, puisque c'est dans la prière Isaac. En ce qui a trait la stérilité. Et Madame Rebecca. Et bien, l'ethim nous commence à tirer pied en dans votre Rebecca. yo wotounen nan priyen pou yalman de l'Eternel sakap pase. E ki sa l'Eternel revele, l'Eternel di yo ke, ebyen, mese dam, nou gen dwe nasyon la, ki gen pou prene sas la. Gen dwe nasyon kap siripi nan vat nan. E di ke, promye neye aliva asujeti, a l'ezyenman. E sete si, nan akouchman, Rebecca, nou pral wè, Ezaïe soti, Ezaïe soti, le tekst di de la genèze, li di ke li genyen, nèspal, li genyen vwa sou li gen ploum sou li, velu, d'ayòr se sa Ezaïe vli di, velu, li di li gen proual sou li, e proual li de ki sa, de kouleur rou, kouleur rou a son kouleur rouj ke li ye, li gen proual sou li, e proual yo de kouleur rou, efektiveman tade mbyen, Eza yu sorti ki ge poal sou li, e sou si de kolor rou. E padan lap sorti, li fin sorti, kon le ya Jacob ap paret pou sorti, tek sa di Jacob ken me pye, eza yu. Gon se yu de bagay, se depri nan nesans yu sorti. Eza yu sin fi velu, poal ki sou li, ou se te de kolor rou, tade bien, e bien, Nous praloué puis devant peuple ça qui pral sorti de Esaïe qui c'est peuple édomitlan édom édom signifie rou R O U X édom signifie rou et c'est de peuple c'est de Esaïe que peuple édomit du pralé sorti et naissance Esaïe expliquait pour qui ça non seulement Esaïe sorti très velu et poils qui souligne, il, y a, il y a deux couleurs roux, et Edom signifie roux. So, on va essayer de comprendre, n'est-ce pas? Peuple là, il sortit directement de la race des d'Esaïe. Maintenant, nous, allons, nous avons un problème. Quel problème? Nous avons un problème de doigt de nez, un problème de premier-né. la lowa, nou te ka di, sur le doa de nes, li genyen troa gran aspe la don. Li genyen troa gran avantaj la don. Lorskou ou se promi ne ou genyen le doa de nes, dan se promi tan, promi avantaj li genyen, ou genyen otorite sou tout freou. Dans se sekon tan, lorske par amou ya fe partaj, Debyen, ou gen double par nan eritaj paternel. E troasyemman, chaj, depi se, se ke pretre ki nan fami nan, se ou menm an tak ke promye ne ki gen sali le doa denes, ki responsab lan le pretre ki o sen de la fami. Sa, se loa ki reji otor de se kon apel le droit des mais cependant avec une ça avec peinture d'autorité ça nous pas comprendre bien qu'il y a qui sont pour passer et qui va passer et, et dans de la famille d'Abraham il y a des choses qui le produire des choses qui sont plus profond non seulement autorité sur des frères non seulement double portion n'est-ce pas de biyen, je dire, paternel, et aussi responsabilité de prêtre au sein de la famille, meni, nan kab rame nan, au, au coeur de la famille, e, et ap rame, et bien bagala li gen dimensyon ki, ki un peu plus toujou, parce que gen 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 gen, 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 gen quelque chose de spirituel kap degaje la. Nan kat fami sa, le titre premier ney Li, nespa, li bay drwa a saten de kagele e eritaj du teritwar de Kanaan. Kwe di, si ta gen yon moun ki ta dowe eritye peyi Kanaan, ou bien gen majeur parti de peyi, e bien sonon se tap Ezaï. Kwe di, si Bagaylan ete seulement, et nou pralwe, Et nous, nous prenons, n'est-ce pas, la négociation faite, et je dirais que c'est une négociation de nature tout à fait charnelle et désaïe. Et côté, c'est lui-même qui prend le, même, le même de Nesla, et bien tout autorité vient perdue. Non seulement, nous dit que l'héritage du territoire de Canaan, des bénédictions découlant de l'alliance, parce que l'alliance a été faite, n'est-ce pas, et... et et, par, et entre Dieu et Abraham, Dieu Abraham, n'est-ce pas, les vins tombés dans Isaac, voilà, mais Isaac, fait de Timoun, et bien, monde qui t'a fait suivi alliance avec l'éternel, son nom devrait être Esaü. Mais cependant, ça pourrait changer, pour qu'ils ça? Parce que, il y a un changement, il y a une mauvaise négociation qui fait là. Lorsqu'on allait dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, on va louer alliance là. Non seulement bénédiction qui découle de l'alliance, de l'honneur, n'est-ce pas, pour devenir l'ancêtre de la postérité promise du Rédempteur. C'est-à-dire que si Baralat est bien passé avec Ésaü, eh bien le Sauveur il est supposé sortir dans la branche en, en un mot, il est supposé sortir dans la branche en, en un mot, Jésus-Christ est supposé supposer Édomite. Est-ce que vous comprenez? Mais cependant, lorsque nous vai... allons. Ce texte-là est très émouvant. Et ce texte-là, pour moi-même, il est pile pour Lorsque nous allons dans Genèse chapitre 27, verset 34 jusqu'au verset 40, où on va lire les remords d'Ésaü. Pas le plat que Ésaïe pral dakon pou l baye Jakob doa denes lan pou liyan, sete pla de rou, se yo pla rou, pa blye, le poal sou e zayu defi nesans li, yote dekou le rou, pap ki dekou le de liyan ki se yedom, li se yon fi rou, e pla ke e zayu pral negosye doa denes liyan, pou liyan, Se ton par la de rou. Se di ke, loske Ezaü fin van do ade Nessar, kote baga la pral blesan pou Ezaü, se nan, e, 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 jenay e, chapitre 27, verse 34 a 40, se kote, Jacob, kwen li arive, nan mouman, li pral ale, la beni, E pandan la beni, moun ki ta suppose recevoir benediksyon an, se Ezaü, men vu la defete de Ezaü, ebyen, eh Jacob recevoir benediksyon an, epi chalouzi rentre nan kèr Ezaü, kote li parle ansam avek papal. Et nous dit que c'est une histoire qui est vraiment émouvante. Côté lorsque, lorsque Esaü a parlé ensemble avec Jacob, on va faire lecture ça pour essayer de comprendre combien c'est dur. À partir du verset 34 et chapitre 27 du livre de la Genèse. Et non, 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 on va, va le pour. Côté dit lorsque Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Il a enlevé ta bénédiction. Isaac dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois? Il a enlevé mon doigt d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit: N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Waouh! Isaac répondit et dit à Esaü: Voici, je l'ai établi ton maître. Et je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs. Pas oublié, mon sota tout à l'heure là. Côté, le premier-né qui gagne le droit naissance, il gagne autorité sur toute Quand Quelle autorité a Esaü perdu. Eh bien, c'est Jacob qui gagne autorité sur toute frères. Je lui ai donné ses frères pour ses serviteurs. Je l'ai pour pour pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils Esaü dit à son père. N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père Bénis-moi aussi, mon père. Esaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut, maman. Tu vivras de ton épée. Et tu seras à servir de ton, à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Voilà le problème de la perte du droit d'Enès. Je veux dire, non seulement les perdus, autorité sur ses frères, les perdus, partage et, et, n'est-ce pas, Autorité que le malgain sur le, la double portion, n'est-ce pas, des biens. Et du pral, le praloué, ouais, c'est que le sauveur, là, le rédempteur, n'est pas qu'à sorti de la race. Et domine. Mes chers amis, quand il y a Jacob, de recevoir riche bénédiction de son père Isaac, Esaü a tout perdu. Eh bien, quoi il y a en nous Pas a noté et eh, eh, les douze fils d'Esaü, qui aussi c'était des chefs dans le zonio. Maintenant, nous prenons la postérité. Et je m'excuse, il no, no, pas le des douze fils d'Ismaël, qui okay? étaient aussi des chefs dans le et Eh bien, côté nous, je Isaac, pas fait douze petites mais à travers jacob qui pourra l héritier l'alliance qui fait depuis le début n'est-ce pas de l'appel et de de, 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 de son grand-père abraham eh bien jacob aura de cette bénédiction et c'est ainsi jacob le les douze tribus d'israël ainsi lorsqu'on allait dans le livre de genèse au chapitre 30 nous avons l'histoire de, de, de rachel et de léa ces deux sœurs, Écoutez, à travers le texte, nous Léa, la bande qui, qui est trompé et Jacob, eh bien, il laguer puisque Léa était plus grande, il gué Léa, non mais Jacob, eh bien, Léa a quatre dans un premier temps, il fait quatre petites, n'est-ce pas, et pour, euh, et pour Jacob, non, dans un premier temps, parce qu'il a fait deux encore, il fait quatre petites pour Jacob, eh bien, c'est Ruben, c'est Siméon, c'est Lévi et puis Judas. Voilà, Léa en a conflit ensemble avec, et ensemble avec sa soeur et, 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 et Rachel. Côté libéral, le bail à Jacob, sa servante, Bila. La servante, n'est-ce pas Il ne le bail, la servante, n'est-ce pas Zilpa, qui est la servante de Léa. Côté Zilpa, le fait garde avec asser. La ankon Rachel la konfante. Fas a konflis a, Rachel pral ofri, Bila sa servante, a Jacob, kote nou pral genyen, e tribu dan avèk Neftali. E finalman, le ciel pral ponse, avèk Rachel. E avan le ciel ponse avèk Rachel, le a fè dè timon ankon, kon le a vingè sis pitit pou, e, pou, pou Jacob, an parlant de La, et, et, la tribu de Zabulon, n'est-ce pas? Et, et Isaac et Eh bien, nous jouons six timoun que Léa fait. Nous jouons deux timoun que Zil et Bill a fait. Et qui était, qui était la servante de Rachel. Nous jouons deux timoun, n'est-ce pas? Que Zilpa fait. Qui était la servante de Léa. Et finalement, Rachel lui-même, lui le fait Joseph ensemble avec Benjamin. Et C'est là et nous jouons l'histoire de Joseph qui typifie Jésus-Christ. Et Écoutez, et, et étant vendu, et bien Joseph va atterrir en Égypte. Nous connaissons l'histoire là très bien. et bien de Égypte étant, Joseph va faire deux timounes qui sont Éphraïm et Manassé. et bien dans notre tracé et douze tribus, nous jouons Éphraïm et Manassé pour remplacer Joseph histoire-là, c'est ça qui fait. Lorsque a parlé des douze tribus d'Israël, il n'y a pas mentionné la tribu de Joseph parce que les fils de Joseph, en parlant de et Manassé, prennent remplacer Joseph. Et là encore, Manassé étant le premier né, ephraïm le deuxième. Lorsque, aïe aïe aïe, lorsque Isaac lui-même, il bénir. béni. Il n'a pas béni le premier-né, il pral béni le second. Et encore aujourd'hui, il n'a pas béni Manassé, qui était le premier-né, et il béni Ephraim. Et bien, il a béni sous Manassé, il pral béni Ephraim, la suprématie. Et voilà. Dans le classement, n'est-ce pas, de tribu, nous venons menacés ensemble avec Ephraim, comme on se dit, qui va e le remplacer, et Joseph, qui qui pa, s'est pas se Nous nous joignons, n'est-ce pas, lorsque Joseph, n'est-ce pas, va le mourir, Pablier et nous nous joignons jouons l'histoire là, e très bien, et Joseph vient remplacer, et là, lorsque Monsieur, les frères, nan famin ki tombe a, 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 a Kanaan, Egyp, te tombe al epok en Kanaan, monsi ap deplase pou Egypt, konti ou mal fe fase a Joseph ke te vande lan, daye plan, se ju dat te koman se plan, okay, li pat daka pou touye yo, li di pou touye Joseph, li di anou vande ni, e bien, loske monsi ale, ou kone Joseph, ou kone monsi yo, li pawe ben jame, parce ke nan premier tour lan, ben jame pat la, e le monsi ap, 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 ap retourne, nan peyi yo, Joseph di, prochen fwa an ap toune, mek chou ke, e nou vini ansanm avek freyernou, Benjamin. Eske nou bagon lout ti frey, vini ansanm avek li, si nou pa ka vini avek li, pa vini, pa blye, Joseph avek Benjamin, se te menmaman, yo te tou de, fis de Rachel. Ebyen, eh se juda ki, yo pral baye, Responsabilité de Benjamin pour mener en Égypte quand il va faire rencontre ensemble avec Joseph. So, deux messieurs, ça a un lien. Et eh bien voilà pourquoi, lorsqu'on a parlé du royaume du sud, il a toujours parlé de Judas et Benjamin qui ont été lien ensemble avec deux frères. Sahio. Vin dans ses collé entre Judas et Benjamin. Pour qui ça? Parce que lorsque Benjamin a finalement entré en Égypte pour la rencontre de Joseph, c'est Judas qui était responsable. Et voilà, lorsque Monsieur retourné deuxième fois, Benjamin là, et puis Joseph recevoir yo, Yon dans l'autre dimension. Eh bien, c'est ce Jacob là que. Qui gagne tout ce monde Nous Donc, c'est dire que lorsque finalement Jacob rentrait en Égypte sous demande Joseph, il rencontre finalement Petite et Jacob perd du vision, il n'est pas encore. Et lorsque Joseph terrain main, parce que la Bible dit que c'est petit, il était plus et dans lorsque il prend nouvelle Joseph le Joseph menait et Bali, Ephraim et vous attendez bien oui. Joseph et Jacob konen le pralmouri, konen la beni le fils de Joseph. Li pose men doat li sou Efraim, li pose men goch li sou Manasseh. Joseph pat kontan sa, Joseph di papa, non! Li pran men doat papa ki te sou Efraim, pou l depose sou tet Manasseh, e pou ke men goch sou tet Manasseh an tanke promene, e ke men goch Jacob, pour le déposer sous tête n'est-ce pas Éphraïm comme étant le deuxième fils mais ça que Jacob ta te aime très bien Jacob dit non la bénédiction c'était pour Éphraïm parce que Éphraïm va avoir contrôle sur Manassé et c'est ainsi. lorsque il a présenté non euh, lorsque là est arrivé dans l'histoire euh, du tabernacle et il y a, y a, y a et, présenté Non. e plasman diferant tribu nan kan ke te gen dan le dezer, imen, oui, ekote nou jwen, dou tribu yo, yo reyuni otou, e nou genyen levi, ki tribu, le levi, biantandu, ki de sakrifikater, ebyen yo rete o milye, an nou mou, genye vin gen trez pitit, ok, vin gen trez pitit, panse ke Joseph vin bay de, e eh bin 13 petit sahar, li pa bay problem, panse ke vin gen le 12 tribu diskayel, ok, ki yon kupi porsyon yo, men vin gen le levite osi, nespa, ki se sakrifikater, e se sakfet, loske nou ta fe, yon kout piye nan Josue, loske distribusyon a, a fete, e eh bin nou dire ke, tribu sahar, e nespa, group monsesay yo, pret yo, sakrifikater yo, yo pa jwen kwen de ter, panse ke se pepl la ki pou travay, ki pou subvenir, A besoin yo. et dans le chapitre 32 jacob devient israël c'est bien l'israël d'aujourd'hui sur le plan géographique la terre encore en moyen-orient cela existe et le nom existe encore et parce que nous dire que et judas comme on se dit dans la tribu tribu le sera pas du royaume du nord au royaume du sud judas était le garant de benjamin et de monsieur Sayo de nos saillots, de coins de terre, ça a vu mettre ensemble pour former le royaume du sud. Ainsi, dans le cas nous parlons de la postérité de Jacob, pour nous finir, dans ce qui concerne la postérité d'Esaïe, nous jouons Eliphaz, parce qu'Esaïe lui lui-même, il vient cinq, 5, n'est-ce pas, petite, garçon, Eliphaz, et petit garçon, il vient d'Eliphaz, il vient de Réhuel, il vient de et il pas, de Jélam et aussi... Corée, sur dans Genèse, chapitre 36 à partir du verset 4. Et c'est ainsi, lorsque nous allons dans Genèse 48, eh bien, Jacob, avant même Joseph, le bralmour, il était fait peuple à Bon, Dieu va avoir un libérateur pour eux, en la personne de Moïse, que le peuple à Eh bien, Jacob, avant sa mort, il Tégitain, béni peuple, a dit à Joseph que, comme Petit dit à Pierre, dit que bon Dieu gain pour retirer sous la terre d'Égypte, dans Genèse chapitre 48, à partir du verset 21. Mes chers amis, c'était juste une toute petite tracée du peuple en Israël. pour nous montrer auquel côté Allier ça a commencé et

のどれ